bonjour à tous, et bien aujourd'hui sur Mortal Kombat 11 pour la suite de l'aventure. J'espère que vous allez bien, on passe au chapitre 10 avec Scorpion. Allez, retour en enfer. Elle ne navigue que sur ses ordres. Donc j'en conclus qu'il refuse de conduire Kronika. Et dans ce cas, il pourrait nous aider. Retourne sur Terre. Dis aux autres qu'on l'a trouvé. On se déploiera dès mon retour. Tu es certain que Charon va nous aider? Non, mais c'est notre meilleure option. Tu es des Kronika, Charon. Maintenant, prépare-toi à souffrir. Je suis immortel, Deborah. Tu ne peux pas me tuer. Celle-ci veille juste à te rendre inapte, à emmener les ennemis de Kronika. D'abord, Shinnok. Puis Kronika, tu te bats pour des causes perdues. Celle-ci assure la survie de la ruche. Tu ne sauveras pas les Shira et Ryu. Elle est belle la reine, dis donc. Qu'est-ce que je suis content de retrouver Scorpion en tout cas, franchement c'est un réel plaisir. Allez, hop, ça dégage. Oh, magnifique, ça commence bien. Ok, oui. Ok, là par là, voilà. Alors, ce qu'il y a de bien avec Scorpion, c'est qu'on a déjà combattu avec lui, du coup on se souvient un petit peu de ses combos. Si je ne m'abuse. Voilà, par contre, je vais un petit peu maîtriser. Ok, il y avait ça comme combo. Je pouvais également la choper comme ceci. Plutôt pas mal. On a les prises aussi qui sont stylées. Attention parce qu'elles sont fatales. Là, je peux l'envoyer la caisse, il me semble. Mange ça. Et voilà, Scorpion gagne le premier round. Ce perso est génial. Franchement, pour les débutants dans Mortal Kombat, je pense que c'est le top. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, laisse tomber. C'est la fête du slip. Oh, mais c'est génial. J'adore ce mec. Ah. Voilà, je te plante. Franchement, je pense que cet épisode va être vraiment de tout repos. Hein. Mine de rien, il nous reste que deux chapitres dans le jeu. Hein. Ça va vite terminer. Hein. Et franchement, j'ai pas hâte parce que le jeu est tellement bon, quoi. Ok. C'est bon. Easy. Les Shira et Ryu ne failliront pas. Pourtant, ton clan d'imposteurs tombera. J'ai rétabli les Shira et Ryu. J'ai bâti un clan plus fort que jamais. Sur une fondation de parvenus et d'hypocrites, Kronika m'a raconté. Les a éteints. Kronika ramènera les vrais Shira et Ryu dans le nouvel âge. N'écoute pas, Kronika.
Elle exploite ta colère pour t'asservir. Comme Quan Chi avec nous deux. J'ai laissé partir ma rage, et ça m'a sauvé. Pour ton salut, tu dois faire de même. Oh mais c'est tellement stylé, Scorpion contre Scorpion. Et c'est vrai que graphiquement le jeu il s'en sort super bien. Alors attends, on va essayer de lui envoyer ça. Ah non, c'est pour sauter, merde. Voilà. Ça pareil, on peut sauter comme ça, on se rapproche de lui. J'aurais pas dû. Tiens, moi aussi je peux te la faire. Non mais oh. Tu me prends pour qui? Je prends un débutant en gros. Ok. Oh c'est beau ça. Oh là, laisse tomber quoi. Allez, je voulais faire une prise, c'est pas réussi. Ok. Oh magnifique. Sauf que je ne sais plus qui c'est qui fait quoi en fait. Je croyais que c'était moi qui avais fait la téléportation alors que c'était lui. Waouh. Ça c'est tellement stylé. Viens par là. Hop là. J'interromps. Cadeau, étoile de mer. Il me semble que c'était une étoile de mer. Hein. Salaud. Je vais faire la même chose, regarde. Hop là. Tu crois que je connais pas les combos? Alors autant c'est vrai qu'à la vidéo d'avant, le perso je le connaissais pas, mais celui-ci on l'a déjà joué, donc bon, je connais un petit peu quoi. Prends pas pour un pigeon. Ok. Et voilà. C'est maîtrisé totalement. Scorpion is the best. Il était temps qu'on te libère. On sait tous les deux ce qui te motive. Ce n'est pas la fierté des Shirai Ryu. C'est ta femme et ton enfant. Harumi et Satoshi m'ont été arrachés. Assassinés. Les revoir un jour, c'est tout ce qui compte. Je partage ta douleur. J'ai connu l'enfer pour la vaincre. Mais le nouvel âge de Kronika n'est pas la solution. Elle ressusciterait Shinnok, le même démon qui a fauché notre famille et notre clan. On ne peut pas le laisser revenir. Quand j'ai rétabli les Shirai Ryu, j'ai promis que notre clan veillerait sur le royaume Terre. Aide-moi à tenir promesse. Savait que tes vieux péchés te troubleraient. Celle-ci met fin à tes souffrances. Maintenant, meurs. L'armée de Raiden jusqu'au fort. Il le faut. Tu as ma parole. Les nouveaux Shirai Ryu sont valeureux. C'est le cœur et non le sang qui en fait des guerriers. Les maîtres Shaolin, ils sont prêts? Ils combattront jusqu'au dernier. Ça risque d'arriver, en effet. Il n'y aura pas de combat si Caron ne nous vient pas en aide. A-t-on des nouvelles du grand maître Azashi? Non. Si on n'en a pas bientôt, je retourne au royaume du Nether. Le mauvais scorpion. Ça ne me dit rien qui vaille. Appelle Raiden. Les jardins de feu reconstruits. Les Shirai Ryu ont bien été rétablis. Qu'est-ce que tu fais là, Scorpion? Où est le grand maître Azashi? Il est mort. Et à présent, tu viens nous achever. Je comprends ta méprise, mais je suis là pour vous aider.
Tu n'as aucune chance de me convaincre. C'est ce qu'on verra. À nous deux, Sub-Zero. C'est parti. Un combat mythique, ça. Hein. Un grand classique. Le classico, comme dirait le. Allez. Ça dégage. Ensuite, que je ne m'abuse, je me suis trompé de combo. Ça arrive. Ok. Dégage. Et maintenant, je peux t'attirer. J'ai essayé, ça va marcher. C'est pas grave. Téléportation. Wouh, tu t'attendais pas, hein. Je suis sûr. Attends. Viens par là. Voilà. Ça gère, hein. Franchement, il me retire très très peu de vie à chaque fois. Il est très simple à battre. C'est pas qu'ils sont simples, c'est juste que j'aime bien Scorpion, c'est tout. Ça, ça fait max dégâts. Hein. Ok. Voilà. La cloche. C'est juste pour sauter, y a pas une interaction. Quelque part. Ça, c'est pour sauter aussi, c'est pas intéressant. Ok, petite prise. D'accord, il l'a contré. Bien joué, gros. J'aurais dû. Ok. Là, un petit combo qui fait plaisir. Le petit souffle. Oh, joli. Aïe. Il m'a pété la cage thoracique. Oh, t'as vu la santé qui m'a retiré, c'est ouf. Tu me prêtes de mauvaises intentions. Qui vous envoie, Scorpion ? Mon futur moi est mort. Je viens ici à sa demande. Le grand maître Azashi t'envoie ? J'honore sa dernière volonté. Charon vous transportera jusqu'à l'île de Kronika. Nous devons faire vite. Avez-vous une preuve de l'offre de Charon ? Seulement ma parole. Votre parole ne vaut rien. Au tournoi, vous étiez censé épargner Lian. Et vous m'avez trahi. Une erreur, due à ma rage. Je cherche la rédemption. Mensonge, Scorpion. Vous êtes un pantin. Un esclave de Kronika. Allez, nous sommes contre le grand Raiden. Et je suis convaincu qu'on va le jouer logiquement, hein, si tout va bien. Soit dans le chapitre 11, soit dans le 12ème. Ce sera peut-être d'ailleurs le dernier chapitre, hein, je pense. Hein. Ouais, à mon avis. Hein. Allez. Putain, j'ai pas réussi à balancer ma boule de feu. Aïe. Il est quand même plutôt fort, j'ai l'impression. Hein. Ouais. En même temps, c'est Raiden, attends. C'est le papa, hein. Aïe. Viens par là. Voilà. Contre-projection. Ça, c'est magnifique. Surprise. Putain, il a réussi à se protéger, cet enfoiré. Ok. Oh, c'est maîtrisé, hein. Magnifique. Il y a tellement de combos simples en fait en deux coups avec, avec Scorpion que ça en devient absolument, absolument cheat. Ok. Putain. Il sait plus où je suis, l'autre j'adore. C'est pour toi. Ah merde. Il y a rien en fait pour lancer dans cette arène. C'est juste des trucs pour sauter plus loin. Aïe, le fatal. Bien joué, Raiden. C'est beau. J'en ai pas activé un aujourd'hui, il me semble. Hein. En même temps, si je perds pas de vie, pas énormément. Bon, on débloque jamais, quoi. C'est ça le truc. Ok. Ah merde, trop tôt. Je le retente. Voilà. Faut pas déconner. Raiden, il faut m'écouter. Ah d'accord, donc le chapitre 11 s'enchaîne direct après le combat face à Raiden. Du coup, bah, on sera avec Raiden dans le chapitre 11, triste réalité. On garde ça pour la prochaine vidéo, je vous rappelle. Un chapitre par vidéo, hein, comme ça au moins, c'est bien classé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite de l'aventure. Il ne nous reste que deux chapitres, ça va aller très très vite. Je ne sais pas quel sera le dernier personnage que l'on va jouer, mais j'ai quelques idées, mais je garde la surprise. Allez, pour moi et pour vous. Merci à tous, en tout cas on se retrouve très vite, portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Ciao ciao.